c'est une polémique dont le géant du vêtement se serait bien passé. Depuis 24 heures, la firme suédoise est accusée de racisme, en cause une de ses campagnes publicitaires pour des vêtements d'enfants. De petits garçons, un noir et un blanc sur le sweatshirt du premier, une inscription en anglais « Coolest monkey in the jungle », comprenant en français « le singe le plus cool de la jungle ». Un slogan associé à la couleur de peau du petit garçon qui ne passe pas. Rapidement, les internautes réagissent sur les réseaux sociaux. Le footballeur allemand Kevin Prince Boateng interpelle la marque. Des milliers de personnes demandent le retrait de la campagne. Une mobilisation virale qui va même jusqu'à faire démissionner de son rôle d'égérie de H&M le chanteur canadien The Weeknd. Il s'est dit choqué et embarrassé par cette photo, tout comme l'intouchable icône du basket américain, LeBron James. H&M a finalement choisi de retirer sa publicité et de présenter des excuses. En octobre dernier, la marque Dove avait fait le même choix après avoir été accusée de racisme à cause d'une vidéo qu'elle avait publiée. Un bad buzz, comme disent les publicitaires, qui leur a tout de même coûté plusieurs centaines de milliers d'euros.